Alors, vous avez fait une belle maison, là. Oui, j'ai voulu sortir un peu de tout ce qu'on achetait, donc de concevoir moi-même mon propre système, donc à l'aide de fibres optiques et de LED. Et chaque canon de fibre optique, chaque LED éclaire, par exemple, une étoile. Et ce qui fait qu'avec le système électronique derrière, on peut aléatoirement allumer l'une ou l'autre pour que ça fasse un effet de scintillement et pour qu'on puisse bien voir les étoiles à travers toutes les autres LED que vous voyez pour déterminer le sapin. Donc la lumière bleue, vous ne la verrez bien que dans l'obscurité parce qu'elle est très difficile à percevoir comme ça en plein jour. On est encore de jour, on ne peut pas bien les capter, les percevoir. Très bien, et en fait vous faites ça pourquoi ? Je fais ça pour que je ne sois pas le seul à ne pas illuminer, puisque on est quand même. C'est surtout pour la crèche, parce que je trouve que Noël, c'est aussi la crèche. Et donc, je mets toujours une crèche pour déterminer, pour dire, voilà, c'est une fête de Noël. C'est une fête, en définitive, transmise par nos ancêtres, on va dire. Ce sont des transmissions que l'on se transmet et qu'on aime bien puisque les enfants sont émerveillés. Très bien, et en fait c'est toujours le quartier de la Corniche qui est le plus illuminé. Oui, puis parce qu'on se connaît tous ici, hein. On est là depuis 1992-93 et on a toujours fait ça et donc on continue la tradition. Je pense que les traditions sont très importantes envers, il faut transmettre les générations, c'est ça la transmission de génération en génération. C'est aussi des fêtes, ce n'est pas seulement des paroles. Il faut quelque part aussi que l'on puisse percevoir ce que l'on transmet, que nos enfants aussi s'émerveillent avec ça. Tout à fait, alors joyeux Noël! Merci, à vous aussi! Alors, nous sommes dans une des maisons illuminées de la Corniche. C'est ça. Et en fait, ça fait longtemps que vous faites des maisons illuminées ? Alors, c'est la 7e année. Ah, ça fait 7 ans ? Oui. Déjà ? Déjà. Essaye de changer. Alors, on garde les couleurs, deux couleurs de base. Et après, on essaye de changer les petits villages, les gonflables, ça dépend. Donc, l'année dernière, on a eu le Père Noël. Cette année, on a l'igloo. J'avais fait la banquise l'année dernière de l'autre côté. Là, c'est un peu plus la forêt. Et puis, il y a aussi des nouveautés dans le village côté Père Noël. Oh, on va aller voir alors. On va aller voir les nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là ? Alors, de ce côté, comme m'a dit une dame hier qui est venue visiter, on va jouer au jeu des 7 différences par rapport à l'année dernière. Eh oui ! Alors, j'ai dit, allez-y, on cherche. Alors, on a le petit pingouin. Est nouveau. Qui est en bas là. Là. Ouais. On a le Père Noël sur la luge avec les cadeaux.
on a la boîte aux lettres. D'accord. De ce côté. Et après, de l'autre côté. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. Le sapin, non, c'est l'arbre, tu veux dire. Oui, l'arbre est nouveau, mais bon. Ah oui, l'arbre et blanc. Voilà. Mmh. L'arbre blanc. Et après, de ce côté. Alors, de ce côté-là, on a... On a le petit Inuit qui fait le bisou Eskimo. Ouais. On a le panneau qui est devant. Ça aussi, c'est nouveau, alors. Ça, c'est nouveau. C'est la nouveauté. Ah, c'est très mignon. Il y a beaucoup de monde qui vient vous voir. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Énormément de monde qui passe, étant donné qu'on est dans un quartier où beaucoup de maisons décor, enfin, un peu plus. On commence à avoir même de notre côté des voisins qui commencent. Et du coup, c'est vrai que ça amène beaucoup de monde. Entre la rue d'en bas et de ce côté, il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Et vous avez déjà vu le jury? Non, il passe demain. Ah, il passe demain. Demain, entre 17h15 ou 17h30 et minuit. D'accord. Et donc, au niveau des prix, vous avez déjà eu des prix, je crois. Alors oui, on avait été troisième. On avait été, alors au début, Lumière de Vermeil. Ouais. On avait été troisième, on a été deuxième et on a été premier il y a 2 ans. Ah oui, premier quand même. Hein. Et puis là, l'année dernière, on était hors concours du coup. Hors concours. Hors concours. Ah oui. Pour laisser un petit peu la place aux autres maisons qui décorent. Ah bah c'est bien. Eh bah, on va se souhaiter un joyeux Noël alors. Eh bien merci, à vous aussi, joyeuses fêtes. Alors, vous avez décoré votre maison, là. Oui. C'est magnifique. Merci. Et vous faites ça depuis longtemps? Depuis qu'on habite là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Avec l'aide de ma... 4 ans, pardon. Avec l'aide de ma voisine, en face, qui m'aide vachement chaque année. Très bien. Voilà. Et on essaye de s'améliorer d'année en année. Voilà. C'est bien. Et en fait, c'est l'idée parce que toute la corniche est illuminée ou c'est... Oui, et puis aussi pour les enfants aussi, parce que moi j'ai des enfants quand même. La plus petite, elle a 6 et l'autre, il a 10. Et puis, quand on voit les gens rentrer et que les enfants sont émerveillés, ça fait plaisir, quoi. Ah oui, parce que là, on visite. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Donc moi, je sais que chez moi, si je laisse pas le portillon ouvert, on ne voit pas. Donc du coup, on laisse le portillon ouvert pour que les gens puissent rentrer dans le jardin. Voilà. C'est bien. Et alors, joyeux Noël. Merci à vous aussi.